C'est avec une grande joie et un immense honneur que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours général pour l'édition 2024. Pour cette édition 2024, la Fondation Sonatel est aux côtés du ministère de l'Éducation pour l'organisation de ce concours et vous offre des prix sous forme de chèques pour un montant total de 20 300 000 francs CFA. Quel est le rôle de l'éducation? C'est former les jeunes à un emploi, à un travail, les socialiser et transmettre des valeurs, entre parenthèses, non-valeurs. Et je crois que pour atteindre ces objectifs, la Fondation Sonatel fait partie des meilleurs partenaires pour atteindre ces objectifs. Vos actions démontrent de votre engagement en faveur de l'excellence à l'école. Je tenais à remercier infiniment la Fondation Sonatel qui, depuis toujours, a accompagné beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves, beaucoup d'orphelins dans leur parcours académique. Cela témoigne de l'importance qu'ils accordent à l'éducation et nous en sommes reconnaissants. Ce n'est pas la première fois, je pense, et même durant les remises de prix de notre école, ils ont pu nous aider. Voilà, je tenais à les remercier et je sais qu'ils contribuent énormément à l'éducation. Je pense que c'est un motif de satisfaction. C'est aussi une action qui, de notre point de vue, doit être pérennisée pour qu'à travers ces enfants et ces lauréats, que d'autres enfants trouvent une occasion d'exceller et que l'excellence soit toujours le credo. Vous êtes des ambassadeurs, vous représentez toute une nation. Vos compétences ne doivent pas se limiter à des performances scolaires. De votre comportement, de votre vécu, vous devez montrer un exemple à tous les citoyens.